Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bravo, vous êtes 272. Et on s'augmente, hein. Moi, j'en reviens pas. Quand on fait des pauses parce qu'on n'a pas de force et qu'on voit ses abonnés augmenter quand même, voilà, je vous dis merci. Merci et chapeau. Vous êtes là. Bon, j'ai pas la force de me faire la coloration, hein, enfin les mèches, hein, parce que j'ai le chapeau, hein, et le crochet et tout, les gants, la protection, le pinceau, tout ça, et les deux boîtes de décolorant. Alors, soit être au milieu là, vous voyez, ça va faire à peu près ça. Voilà. Je me suis fait réveiller à 8h30. Alors évidemment, quand on dort, eh ben, on ne peut pas décrocher. Surtout que j'avais hyper mal au dos, je ne pouvais pas me lever. Oui, enfin bon, l'histoire continue à cause de l'autre. Hein? Voilà quoi. J'ai un examen psychiatrique à faire. Eh oui. Non mais on va aller où? C'est moi qui portais plainte. Enfin bon. Passons. Je vois mon psychiatre le 25. Ça va le faire. Je vais lui expliquer. Et je vais lui dire, bah, il me faut un VSL parce que moi je suis à pied. Voilà. Donc, je vais pas mettre 3 jours pour y aller à pied. Sinon, bah, j'ai rien fait, hein. Il est presque midi, hein, il est 53. Et j'arrive à émerger seulement maintenant. Ouais, ça a été réveil avec la sonnerie. Ça a été dur. Et j'ai marqué un truc, regardez. Comment que c'est miraculeux. Hop. J'ai juste à faire ça et ça s'estompe. Ouais. Comme quoi, vous voyez que c'est la fatigue. Ouais, c'est bien la fatigue. Hein. Bon, j'ai dû me coucher vers 10h, donc. Oui, ça fait 8 heures, ok, d'accord, mais c'est pas assez pour moi. J'ai besoin de plus de sommeil. Si, si. Comment dire? Ben, il va falloir que je lave encore la salle de bain. Domino m'a refait caca, mais à un autre endroit. Donc j'ai pris devant son nez dans la caisse où il dort. Et ça te plaît l'odeur? Moi pas. Monsieur a la flemme de grimper pour aller à la caisse. Attendez, j'ai un truc qui me chatouille. Alors bon,
Je sais que les deux ont uriné dans la salle de bain. Il y a deux couleurs di distinctes. Donc là, ça va bien. Je vais tout pousser, tout nettoyer au vinaigre comme il faut et mettre la gamelle ailleurs. C'est-à-dire sur l'étagère, sur le bas où il n'y a rien. Parce que sinon, ces messieurs s'amusent à grimper dans le linge ou autre. Donc, le linge n'est plus dans la salle de bain. D'ailleurs, j'ai plus une serviette de propre. Donc, il y en a dans la machine. Il faut que je l'accroche absolument aujourd'hui. Non, mais j'ai pas de bras. Et pas de bras, pas de chocolat. Si, si. Oh, si, j'ai fait un effort hein, hier. Bon, si, je me suis dit, là, ça va bien. T'as les ongles dans un état. Alors, j'ai mis du durcisseur. Hein. Alors là, j'ai mis par-dessus le vernis. Comme ça, je me suis dit, le vernis va tenir plus longtemps. On verra bien. Ouais. Non, mais j'ai une grosse fatigue. Une très grosse fatigue. Donc, je verrai bien au courrier s'il y a quelque chose. Parce que, en fait, il marque que c'est en transit. Mais le curseur ne suit pas. Hein, sur AliExpress, on a un petit curseur quand on regarde. Le suivi de la livraison, le suivi de la commande. Et ben là, ça s'est arrêté à la date d'hier à 8 h. C'était en transit. Donc, ça se pourrait que je l'ai aujourd'hui ou demain. Alors là, il y a 12 commandes dedans. Dans ma big surprise. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. À savoir si ça va rentrer dans la boîte aux lettres. Je ne sais pas. J'ai bien laissé mon interphone ouvert pour recevoir si le facteur sonne. Hein. Et oui, je vais m'habiller. Lentement, mais sûrement. Je ne peux pas descendre. Comme ça. Ah non, mais je suis à out. Je vais me boire un café. Hein. Là, j'en ai déjà bu deux. Comme d'habitude, à 1 heure d'intervalle. Puis là, j'ai le troisième, c'est celui du midi. Ah, mais cherchez pas, j'ai pas faim. C'est là. J'ai bien mangé hier soir. Mais midi, il n'y a rien à faire. Ça coince. Bon, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, hein? Eh ben, voilà, hein, aussi. Vu que je me réveille. Ah ouais, non, mais depuis 8 h 30. Voilà quoi. C'est entre téléphoner au gendarme qui m'a appelé, téléphoner au médecin de la douleur parce que j'avais pas
Déjà, je n'avais pas la bonne date et pas l'horaire. Voilà quoi, premier rendez-vous. J'ai pris un rendez-vous chez le dentiste. Si. 1, 2, 3, 4 qui à venir. Et j'ai pas encore téléphoné pour l'hôpital. Voilà. Pour la gynéco. Voilà. Pour le gynécologue. Et l'échographie. Donc voilà. En tout, ça va faire 6. C'est la joie, on jongle. Alors, je ne peux pas prendre de rendez-vous tant que j'ai pas le rendez-vous hyper important. Moi, je m'en fiche, hein, je suis stable depuis des années. Donc, j'ai rien à craindre. J'ai rien à craindre. Voilà, bon, ben, je vais vous laisser là. Je me boire un bon café. Voire deux, parce que je suis fatiguée. Fatiguée, fatiguée. Ça se voit là. J'ai des articulations grises. Ah, et main toute rouge. Mais c'est pas grave. J'ai pas mal. Non, je suis hyper crevée. En plus, demain matin, il y a l'infirmière qui passe. C'est-à-dire qu'il faut que je me lève de bonne heure. Si ça va pas, je vais faire une sieste. Je sais que j'y arriverai pas. Ma mère à 11h qui me dit, bah recouche-toi. Je dis, je pourrais pas. Dès qu'il y a de la lumière, moi, c'est fichu. Hein. Bon, allez, je vous dis à plus et encore bienvenue.